Bonjour, aujourd'hui pour le site des Village Tattoo, je vais vous présenter les hummingbirds rotatives, donc la 1 et la 2. Je commençais par vous montrer la 1, donc voilà, celle-ci c'est la bleue. Juste derrière, j'ai la rouge. Voilà, alors ensuite, la hummingbird 2, en noir, en rouge. Et également en bleu, alors ça c'est la version avec le moteur Maxon. Elle a cette petite partie en fait qui est en cuivre au lieu d'être en aluminium. Voilà. Également le moteur bien sûr qui change. Alors, je vous montre les différences. On peut facilement identifier parce que voilà ici donc c'est un moteur en acier. Enfin ici il y a des parties, parties en plastique. Voilà. Alors la différence entre les deux machines. Alors déjà le design, comme vous pouvez le voir. Voilà, il est légèrement différent. Également, donc sur la 2, le moteur est un petit peu meilleur, même si bien sûr les deux ont des moteurs suisses, mais la 2 est un petit peu meilleure vis-à-vis de son moteur. Elle est également plus légère d'environ 10 à 15 grammes. Elle a un petit peu plus de parties en aluminium que la version 1. De toute façon, c'est une version améliorée, hein, donc j'ai envie de dire, elle est sur tous les points meilleure, tout simplement. Voilà. Et donc celle avec le moteur Maxon a bien sûr donc cette partie là qui est en cuivre et le moteur qui est vraiment meilleur. Donc c'est le Maxon 21600 qui est dedans, le 4,5 watts. Donc voilà, c'est vraiment un très bon moteur qui est sur de grosses machines, si je me trompe pas, comme la Stigma, la Bishop, la Spectra, si je ne me trompe pas. En tout cas voilà, c'est un très bon moteur. Donc voilà, côté fiabilité, c'est quand même un énorme plus. Voilà. Donc bon, je vais pas vous montrer quand même que les machines, les têtes qu'elles ont. Je vais un petit peu vous les faire tourner à 5 volts. Alors on va commencer par la 1. Voilà, machine très silencieuse. Alors en fait, vous avez cette petite molette en fait, qui vous sert à régler donc déjà la frappe de la machine et également à la rendre un petit peu plus douce ou plus rapide, plus forte selon si vous faites du tracé ou de l'ombrage ou du remplissage. Voilà, donc ça après c'est vous qui réglez un petit peu comme vous voulez. Voilà, vous pouvez l'entendre un petit peu bruit quand même. Voilà. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer la 2. Voilà, qui a quand même plus la patate, il faut le dire, que la 1 à 5 volts. Voilà. Donc de toute façon, sincèrement, les deux sont de très bonnes machines. Mais bon voilà, la Hummingbird 2 est quand même un cran au-dessus. Voilà. Et donc celle avec le moteur Maxon, quand même, histoire que vous puissiez l'entendre. Voilà, qui est quand même plus silencieuse que la Hummingbird 2, normale, avec le moteur suisse aussi. Voilà. Donc voilà, alors aussi également petite chose à vous dire, ces machines sont disponibles avec une garantie d'un an en échange à neuf. Donc je vous explique un petit peu c'est quoi le principe de cette garantie. Par exemple, vous achetez la Hummingbird 1, vous avez un souci avec le moteur qui ne fonctionne plus, elle chauffe un petit peu trop, ça n'arrive que très rarement, mais malheureusement ça arrive. Pendant un an, si vous avez un quelconque souci avec la machine, elle vous est échangée à neuf. C'est-à-dire que vous nous retournez à la machine. Une fois qu'on réceptionne la machine et qu'on confirme bel et bien la panne que vous avez décrite, on vous en renvoie une nouvelle. Avec, en fonction des stocks, un choix même de différentes couleurs. Voilà. Et donc par contre, l'envoi dans nos locaux est à vos frais. Voilà. Puisqu'après, bien sûr, il est à nos frais quand nous, on vous le renvoie. Et c'est exactement pareil donc sur la Hummingbird 2. Si vous avez un souci avec la machine,
on vous envoie une fois qu'on a reçu celle qui est défectueuse. Alors ensuite, donc sur les deux machines, vous avez la possibilité de mettre le moteur Maxon. Sur les deux, vous aurez également la petite différence de la partie qui tient les aiguilles qui sera en cuivre. Donc également au niveau du moteur, ce sera visible, la petite différence. Voilà, donc la garantie sur les deux machines coûte 40 euros. Et le moteur Maxon coûte 120 euros en plus. Voilà, c'est un coût, mais sincèrement, le moteur Maxon est vraiment réputé. C'est un très très bon moteur. C'est une fiabilité vraiment supplémentaire, quoi. Vous n'avez aucun souci à vous faire avec ça, quoi. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur le chat en ligne ou bien par mail à service client@devilish.fr. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée.